Meghan Markle et le prince Harry ne se sont pas rencontrés par hasard. Bien au contraire. Alors qu'ils l'ont annoncé officiellement s'être fiancés au début du mois, ce 27 novembre, les deux tourtereaux ont donné leur toute première interview à la chaîne BBC One. Souriant, visiblement ému d'annoncer leur heureuse nouvelle publiquement, ils ont livré quelques détails de leur intimité et notamment ceux de leur rencontre, pas comme les autres. Ils ne se sont pas croisés dans un événement mondain mais dans un dîner organisé par l'une de leurs connaissances qu'ils ont en commun. C'était totalement arrangé, lance Meghan Markle lors de l'interview. C'était un rendez-vous à l'aveugle. Elle n'avait donc jamais rencontré le prince. Alors, ils se sont rencontrés à ce dîner et finalement l'amour aussi était au rendez-vous ce soir-là. Harry l'a d'ailleurs dit sans concession lors de l'officialisation de ses fiançailles, il a su qu'elle était la bonne la première fois qu'il l'a rencontrée. Pourtant, Meghan Markle ne savait pas trop quoi penser de ce rendez-vous, avant d'y aller. Je ne savais pas grand-chose de lui. Alors, elle a posé la seule question qui valait, selon elle, est-ce qu'il est gentil? La jeune femme semble avoir rapidement trouvé sa réponse dans les bras de son prince. Ils ont alors commencé à se voir tous les deux, plus fréquemment. Et après un an et demi de relation, ils ont décidé de se fiancer. Cela n'a pas été sans concession pour l'actrice qui ne s'était pas préparée à vivre une telle tempête médiatique, aussi naïf que ça puisse paraître, « je ne pensais pas que ça prendrait de telles proportions », a-t-elle dit, sans aucun regret, au vu le sourire qu'elle arborait.